Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Oblique, émission de cinéma, et je vous souhaite du fond du cœur une excellente année 2021. Bonsoir Eric Libio. Bonsoir Pierre. Très bonne année à vous. Également, et à tout le monde. Les auditeurs de France Inter vous connaissent pour votre franc-parler, les lecteurs de Lire vous connaissent pour votre franc-écrire. Vous avez... Alors, c'était très tentant pour moi de vous inviter parce que vous êtes le premier à avoir parlé en France de l'émission Fort Boyard. Mais j'ai... ce qui est un honneur, hein. Mais c'est vrai, on ne dit pas assez d'ailleurs. Le premier article au monde jamais paru sur Fort Boyard, c'est moi. Mais j'ai décidé de la jouer dangereuse et de vous inviter pour parler de quelqu'un dont on va écouter la voix en VF et à qui vous venez de consacrer un livre, Clint et moi. Le voici. Tu ne seras jamais un bon scénariste. Et tu sais pourquoi ? Non, John, mais tu vas sûrement me le dire. Parce que tu laisses 85 millions de bouffeurs de pop-corn te tirer de ci, de là. Pour écrire un film, il faut oublier que quiconque pourra le voir. Eh bien là, tu fais tout pour que personne n'aille le voir. Eh bien, peut-être que c'est vrai. Mais je pense qu'il y a deux façons de vivre en ce monde. L'une consiste à ramper, lécher le cul et écrire des fins heureuses. Signer leur contrat longue durée, ne jamais prendre de risques pour quoi que ce soit, ne jamais prendre l'avion, ne jamais quitter Hollywood, et mettre de côté tout son fric jusqu'au dernier cent. Y arriver à la cinquantaine, en pleine santé, mourir d'un infarctus parce que tout ce qu'il y avait de fou en vous a bouffé les muscles de votre cœur. L'autre façon consiste à laisser les choses arriver comme elles peuvent. Refuser de signer leur contrat. Envoyer chier celui qui vous tient à la gorge. Et flatter celui dont la vie ne tient qu'à un fil qui est entre vos doigts. Un extrait de Chasseur blanc, cœur noir, de Clint Eastwood qui se met dans la peau de John Huston. Eric Libio, vous aviez déjà consacré un livre à Clint Eastwood, mais qui était plus, on va dire, plus biographique, plus classique, plus objectif. Là, vous vous accaparez cet homme. Bah oui, parce que je me suis rendu compte que c'était quelqu'un avec qui j'avais traversé toute ma carrière professionnelle et puis ma vie d'homme, et je me suis rendu compte, enfin je me rends compte parce que je pense que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qu'on est très impressionné, qu'on est très influencé par les personnages, par les artistes, en tout cas moi, et puis je voulais un petit peu essayer de comprendre ce que c'était qu'une cinéphilie. C'est pas juste voir des films et en parler ou écrire dessus ou même les aimer, c'est se rendre compte que parfois des films, des fictions, des personnages, des histoires, des péripéties, le romanesque, eh bien, influence sur ce qu'on peut penser, les gens qu'on peut aimer, les désirs que l'on peut avoir, ou les obsessions, ou les dégoûts. Et que le cinéma, pour moi, mais je pense que ça fonctionne pas mal pour tous les autres arts, même si le cinéma, il y a une incarnation qui rend la relation beaucoup plus intime, à mon avis. Eh bien, le cinéma, la culture, les arts, c'est pas innocent, personne n'est innocent. Et puis ils influencent, oui, ils jouent, ils décident parfois de ce qu'on peut vivre. Donc Clint Eastwood étant le personnage, l'artiste le plus important pour moi, j'ai décidé d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait expliquer cette relation. Ah, je suis très déçu parce que je voulais commencer l'année avec un invité qui soit innocent. Vous me dites que vous ne l'êtes pas. Non, personne ne l'est. Mais vous non plus, cher Pierre, vous ne l'êtes pas. Alors, pense que personne ne l'est. Dans votre livre Clint et moi, qui est paru chez Jean-Claude Lattès, il y a le mot « moi ». Et votre livre parle, c'est intéressant les lapsus, hein. Dès qu'on parle de cinéma, c'est lapsus à tous les étages. Votre livre parle de vous, de votre famille. Les dernières pages sont consacrées à la cérémonie de dispersion des cendres de votre papa, qui ressemblait beaucoup à Clint Eastwood. J'ai fait un petit comparatif, Clint et vous, avec les points communs. Vous m'interrompez si je me trompe. Vous êtes tous les deux un homme des côtes, lui de Californie. Vous, de Bretagne. Oui, vous êtes tous les deux gauchers. Ça, je l'ai appris. Je ne m'en étais jamais rendu compte. J'ai appris, effectivement, en regardant des... Il tire de la main gauche. Alors, est-ce que c'est du cinéma ou est-ce que c'est vrai? Je ne le saurais jamais. Clint Eastwood et vous ne croyez pas en Dieu? C'est juste, enfin moi en tout cas, lui, je pense qu'il a une notion de l'au-delà un peu plus forte que la mienne. Disons qu'il s'interroge plus que moi. Moi, pas trop, c'est vrai, je dois le reconnaître. Parce que vous êtes jeune. Ça doit être ça. Il a fait un film qui s'appelle Au-delà, dont on dira quelques mots tout à l'heure. Clint Eastwood
Et vous, Éric Libio, vous n'aimez pas trop les théories. Hein, vous n'aimez pas trop... Il y a quelqu'un à qui vous réglez de jolis comptes dans votre livre, c'est Christian Metz, théoricien du cinéma. Et de Clint Eastwood, vous dites que lui, c'est pas, contrairement à Tarantino ou à Scorsese, c'est pas un rat de cinéphilie. Il va pas inscrire tout son cinéma dans des références à d'autres films, par exemple. Est-ce que c'est aussi un point commun ? Oui, sans doute. Disons que malgré son statut de star, Eastwood, ça reste un artisan. C'est-à-dire que je pense qu'il a réussi des très grands films. Hein, tout le monde s'en rend compte. Et puis lui aussi, il en a raté beaucoup. Et je pense qu'il le sait. Mais qu'à un moment donné, l'histoire, l'époque, le tempo, les gens avec qui il avait envie de travailler ont fait qu'il s'est lancé dans tel film, tout en sachant que ça allait pas être formidablement réussi. En tout cas, pas au niveau de certains de ses autres films. Donc il a un côté artisan que j'aime bien. Et c'est vrai que le côté carpe diem qu'il emploie, je suis un peu comme ça. C'est vrai que je déteste pas les théories. C'est juste que il y a parfois dans les théories une posture intellectuelle qui m'agace profondément. Mmh. Et je pense qu'il faut être un peu plus empirique ou plus intuitif. Et on met pas assez en avant cette qualité de l'empirisme qui est quand on peut préparer une émission de radio ou écrire un livre. Dans votre livre, d'ailleurs, vous faites allusion à un article que vous avez écrit sur un film qui s'appelle Portier de nuit, oui, de Liliana Cavani, que vous n'aviez pas vu, c'est honteux. Que vous n'aviez pas vu et pour lequel vous avez fait un article qui a été couvert d'éloges. Et c'est là que vous vous êtes rendu compte, d'abord, des problèmes de déontologie, mais vous, justement, faute avouée, à moitié pardonnée. C'est gentil. Mais, et surtout, du pouvoir insensé des concepts et des mots qui sonnent, qui font bling-bling, mais qui, en fait, ne veulent rien dire. Voilà, j'avais voulu appliquer une théorie et la lier à quelque chose de très tangible, à savoir qu'effectivement, comme vous le dites, et je m'en excuse auprès de... Je cite pas la rue, parce que c'est honteux quand j'y repense, mais en même temps, le résultat était tel que j'en étais satisfait. J'ai effectivement écrit un texte assez alambiqué, un peu compliqué, avec des mots, avec des concepts, sur un film que je n'avais pas vu, et qui a effectivement... Alors, ça n'a pas été couvert d'éloges, je ne faut pas non plus exagérer, je ne suis pas passé à la postérité pour ça, mais disons que j'ai pu vérifier que parfois, dans un certain milieu, l'idée de manier des concepts et des choses un peu compliquées, un peu obscures, valait applaudissement, alors que quand on faisait quelque chose de plus sincère et de plus honnête, en étant parfois un peu plus simple, c'était moins le cas. Et Clint Eastwood, lui, c'est quelqu'un qui va droit au but. Il dit souvent qu'il a horreur des séquences d'exposition dans ses films, les espèces de trucs qu'on met pendant quelques secondes pour que les gens ouvrent leur pop-corn. Il va droit à l'os, lui aussi, dans ses films. Bah, il va droit à l'os d'abord parce que il fait référence à tout le classicisme américain, c'est-à-dire tous les grands raconteurs d'histoire. Vous avez commencé par un extrait d'un film où il joue plus ou moins John Huston. Il fait référence à John Huston, à Walsh, à Ford, à tous ces raconteurs d'histoire qui vont très vite à l'essentiel. Aussi parce qu'il sait que le public est sans doute plus intelligent que certains le pensent, c'est-à-dire qu'ils ont les références, ils savent de quoi on parle. Et puis ce qui intéresse Eastwood finalement, derrière ces atours de raconteurs d'histoire, c'est de raconter l'être humain aussi, d'aller à l'os des pulsions, parfois très, très sombres, qu'on peut avoir. Donc ces enjeux-là ne méritent pas forcément qu'on expose et qu'on fasse 12 plans sur un lotissement, une rue, une porte qui s'ouvre, les volets qui etc. Où très souvent le cinéma américain fonctionne comme ça, ou le cinéma français plus exactement. Voilà, lui, il parle de gens, il parle d'êtres humains, et donc c'est assez effectivement rapide d'aller à l'essentiel. D'ailleurs, quand on lit des témoignages de gens qui ont travaillé avec lui, de comédiens notamment, ils sont très surpris du peu de nombre de prises qu'il y a. Des fois, la première, il en fait parfois une deuxième en sécurité. Je me souviens aussi d'une anecdote, je crois que c'était sur son film La Corde Raide, où son chef opérateur lui disait « Mais tu sais, Clint, on te voit à peine là dans le noir. » Il dit « Mais est-ce qu'on verra ma main ?» Le chef opérateur avait acquiescé et dit « Clint, si on voit ma main, c'est l'essentiel. » Est-ce que le fait que Clint Eastwood ait rapidement, voire dès le début, créé sa société de production, Malpasso Productions, à votre avis, lui a permis de faire
ce que Orson Welles n'a pas pu faire, c'est-à-dire une indépendance contre vents et marées. Oui, sans doute, même si alors il a été très intelligent, Eastwood, il a effectivement créé sa boîte de production, mais il s'est adossé à la Warner, qui est un grand studio, donc il avait à la fois l'indépendance et les moyens. Et comme il a très vite connu le succès, bon, même s'il était déjà un peu connu quand même comme comédien, mais comme metteur en scène avec Un frisson dans la nuit et avec Dirty Harry, produit par lui mais réalisé par Don Siegel, le succès lui a permis assez rapidement d'avoir les coudées franches, et puis la Warner l'a suivi tout le temps, sauf pour un seul film, c'était Million Dollar Baby, où Eastwood est venu leur proposer le sujet, et puis le patron de la Warner lui écoutait un film avec une boxeuse, mais vous voulez que ça intéresse qui ? Enfin, c'est franchement, on vous aime bien, Clint, mais là, vous dépassez un peu les bornes, et donc, faut pas dire ce genre de choses à Clint. Il essaie pas de convaincre, il va voir quelqu'un d'autre. Il est allé voir la Fox, et puis il a eu un Oscar du meilleur metteur en scène et Larry Schwank de la meilleure actrice. Comme quoi, faut pas contrarier Clint Eastwood. Il reste deux points communs. Vous étiez Clint, appelons-le Clint, et vous contre la guerre en Irak. J'étais contre la guerre en Irak ? Oui, globalement. En tout cas, c'est plus intéressant de le voir du côté de Eastwood, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un va-t-en-guerre, un droitiste, un militariste, alors que pas du tout. D'abord, dans ses déclarations, il me l'a fait à moi, il était effectivement très contre la guerre en Irak et même inquiet de l'engagement de Bush Junior, et que, comme il disait, le problème quand on fait la guerre, c'est qu'on ne sait jamais qui a le doigt sur la gâchette, et en l'occurrence, c'était George W. Bush, il avait assez peu confiance en lui. Et quand on regarde ses films, que ce soit notamment American Sniper, c'est tout sauf un film militariste. Pour le coup, c'est un film John Houstonien, sur les désillusions de l'Amérique et ce qu'on fait des héros américains, ce qui est d'ailleurs un des grands thèmes de toute sa filmographie. Ce qui est très frappant, d'ailleurs, grâce à vous, j'ai revu beaucoup de films d'Eastwood, c'est qu'il montre très souvent, et contrairement à l'image qu'on a d'Eastwood, justement, votre premier livre s'appelait Un franc-tireur, c'est ça ? Oui, le franc-tireur d'Hollywood. Et je crois que les gens ont retenu surtout le mot tireur. Exactement. Et pas assez le mot franc. Et les personnages des films d'Eastwood qui hésitent, comme John Huston qui hésite à tuer un éléphant, ou dans Un monde parfait, où le coup qui va abattre Kevin Costner part malgré le personnage de Clint Eastwood, hein, c'est assez frappant, en fait, de voir que tous ces personnages ont des dilemmes. Oui, alors plus que, enfin, vous me direz c'est lié, mais j'ai plus l'impression de voir des personnages qui doutent. Alors effectivement, quand on doute, on peut hésiter. Et le grand paradoxe, enfin moi ce qui me fascine avec Eastwood, c'est que ce sont systématiquement des obsessionnels qui doutent. Alors des obsessionnels, on pourrait penser que ce sont des gens qui vont jusqu'au bout. Eh bien non, justement, alors on voit, hein, que ce soit Charlie Parker d'Amber, enfin tous ces personnages, ce sont des gens qui vont jusqu'au bout de leur désir, enfin en tout cas qui ont l'intention d'y aller, et qu'à un moment donné ils doutent, ce qui va un peu aussi à l'encontre de la statue de star qui peut tout se permettre, à qui on dit oui, qui décide de tout, etc. Donc c'est toujours cette ambivalence que je trouve assez admirable chez Eastwood. Et effectivement, ces personnages d'obsessionnels qui doutent, je trouve ça assez fascinant. Et vous citiez d'ailleurs Un monde parfait, qui est, à mon avis, un film charnière dans la filmographie de Eastwood, parce que c'est la première fois qu'on voit, effectivement, beaucoup plus que dans les films précédents, et on le verra dans ceux qui viennent après, un type joué par Clint Eastwood lui-même, qui n'est pas le héros, hein, puisque le héros, c'est Kevin Costner. Eastwood joue le chef des Rangers qui poursuit Kevin Costner, qui a enlevé un enfant, et qui, à un moment donné, se rend compte que le monde s'écroule, que ses certitudes s'écroulent, qu'il ne comprend plus rien à rien. Ça se passe juste au moment de l'assassinat de Kennedy, où effectivement les États-Unis vont basculer. Et je trouve que cet écho est assez touchant et assez admirable. Et la colère du personnage de Clint Eastwood dans Un monde parfait, quand il voit, donc ce que je disais tout à l'heure, que le coup est parti et qu'on assassine... Ah, vous racontez la fin, vous. Bravo. Oui, oui, après 20 ans, il y a prescription. c'est un des plus beaux moments du cinéma d'Eastwood, parce qu'on a l'impression que... Oui, pour moi, c'est mon film préféré, oui. Enfin, le plus intense, en tout cas, vous avez raison. Et je trouve que cette séquence de fin déjoue justement tous les lieux communs dont on affuble les personnages d'Eastwood à l'écran. Et le dernier point commun entre Clint et vous, c'est que vous êtes tous les deux allés à Monument Valley. Lui pour y tourner un film, et vous pour faire le touriste à cheval. Moi pour pleurer.
Ah ouais, ce souvenir absolument incroyable. Alors lui, il y est allé souvent, hein, parce que d'abord il habite pas loin, et puis le Monument de Valley, c'est la mythologie du western, hein, c'est là où John Ford tournait ses films, où il y a eu énormément de westerns. Et donc j'y allais aussi parce que avec ma famille, on faisait le tour des États-Unis, le Grand Ouest, et comme absolument tous les touristes, on fait tous les parcs, le Grand Canyon, Monument de Valley, parce qu'il faut le faire, parce que c'est extraordinaire. Donc on va voir Monument de Valley, on visite, et puis on s'en va. Et puis au moment de partir, je vois une petite cabane où quelqu'un louait organisait des balades à cheval. Moi, je fais pas de cheval, ma femme non plus, mes enfants non plus. Enfin, à l'époque, ils n'en faisaient pas, ils en font toujours pas d'ailleurs. Et puis on s'est dit, mais pourquoi pas ? C'est vrai que tant qu'à être dans le mythe, autant y aller à fond, quoi. Autant. Donc on organise une heure à cheval avec des Indiens. C'était des jeunes Indiens d'ailleurs, des Navajos, je pense. Et puis on y va tranquillement, hein, au trot, au pas, parce que le galop c'était pas trop notre truc. Et puis je passe devant un grand monument où je savais que Eastwood avait tourné La Sanction. Et donc la personne qui nous guide faisait aussi la description de ce qu'on voyait, nous dit voilà, c'est Eastwood qui a tourné là. Tout d'un coup, ça m'a extrêmement frappé. Et je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi d'ailleurs, mais sans prévenir, je me suis mis à pleurer. Enfin, j'étais extrêmement ému d'être dans la mythologie, d'être dans tout ce que j'ai aimé, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, hein, j'étais quand même assez âgé déjà, j'avais une quarantaine d'années, d'être au cœur de la mythologie, au cœur de ma passion. Et je vous jure que c'est très étrange comme phénomène d'être là et de, pas que je me prenne par Eastwood, mais d'être au cœur d'une passion et d'une mythologie, c'est assez étonnant. Non, mais je vous comprends très bien. Je suis sûr, Pierre, que vous auriez pleuré aussi. Je vous comprends très bien. C'est ce qui arrive à 10 000 Japonais quand ils vont retrouver l'épicerie de Jamel Debbouze dans Le Fabuleux Destin de l'Ami du Poulain. S'il vous plaît, ne détruisez pas ma mythologie, ma propre mythologie. Allez, un deuxième extrait pour cette émission. Donc vous êtes texan ? Oui, monsieur. Et vous êtes patriote ? Oui, monsieur. Et vous êtes en rogne ? Je voudrais me rendre utile. Vous aimez vous battre ? Oui, monsieur. Vous aimez vous battre ? Bon, eh bien, je vous présente les combattants d'élite. Les SEALs ? Sea, Air, Land, mer, air et terre. Bah, c'est pas trop mon truc, l'eau, monsieur. Non ? Eh ben, c'est pas pour les chochottes. La plupart des mecs vont pas au bout. Je suis pas la plupart des mecs. Alors ne parlons pas pour l'instant du contenu d'American Sniper, qui est à mon avis plus complexe qu'on ne le croit. C'est un extrait donc de ce film. Cette idée de chochotte. Parlez-nous un petit peu de Clint, de la vie de Clint Eastwood. Dans votre livre Clint et moi, Eric Libio, vous dites que sur certains points, des biographes, deux notamment, disent des choses pas forcément similaires. Bah, je pense que oui, parce que c'est évidemment compliqué de raconter un homme, surtout quand il se cache et qu'il se met pas forcément en avant comme le fait Clint Eastwood. Il est aussi, à mon avis, très fortement lié à ce que disait John Ford dans L'homme qui tue à Liberty Valance, quand la réalité est moins belle, faut imprimer la légende. Et puis Eastwood aime bien laisser les parts d'ombre, aime bien les gens réinventer sa propre vie. Donc les choses ne sont pas si claires que ça, même si globalement on sait quand même pas mal de choses sur lui. Mais je pense qu'à l'instar de ces personnages, de la façon dont ils filment, parce qu'on remarquera, pardon de cette parenthèse, que tous ces films sont toujours se situent toujours dans une espèce de clair-obscur. Il y a énormément de scènes dans le noir, vous faisiez référence tout à l'heure, qui est aussi une espèce de métaphore de la façon dont il lui voit les êtres humains, c'est-à-dire avec des parts d'ombre systématiquement. Donc cette part d'ombre, eh bien, elle se cache aussi dans sa propre biographie, dans sa propre vie, et les biographes plus ou moins officiels parfois se tirent un peu la bourre, pardon l'expression, quant à savoir s'il a fait ci ou s'il a fait ça. Et comme lui il ne corrige pas, voilà, il laisse les choses se faire. Mais globalement, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu assez modeste, qui voulait pas être forcément acteur, qui savait pas trop quoi faire de sa vie, qui est au service militaire, a rencontré deux potes à lui qui eux voulaient être comédiens. Il les a suivis, ça a été compliqué au départ. Il a joué des petits rôles, il a voulu abandonner, et puis il a été engagé dans la série de télé Rawhide où il jouait un cow-boy. Et au bout de la troisième ou quatrième saison, il a reçu un jour un scénario qui avait été refusé par de grandes stars, d'un certain Sergio Leone. Et il s'est dit, tiens, si j'allais en Italie tourner un western, lui seul amusé. Et voilà, on connaît l'histoire ensuite.
Qu'est-ce qui se passerait, Eric Libio, si à la fin de cette émission, le livre que j'ai entre les mains... Si Clint Eastwood rentrait dans, dans le studio. Non, si le livre que vous venez d'écrire sur lui, je le laissais négligemment sur un fauteuil et que je partais de ce studio en l'oubliant, vous seriez furieux. C'est ce qui vous est arrivé la première fois que vous l'avez rencontré. C'était terrible. En fait, ça s'est super mal commencé avec, entre Clint Eastwood. Mais c'est peut-être le début des grandes histoires d'amour, on ne sait pas hein, si ça se trouve. Il faut toujours qu'il y ait C'est comme dans tous les grands scénarios, il y a toujours un problème quelque part. Là, c'était au tout début, effectivement. J'avais déjà une grande admiration pour lui et je travaillais à Première. Il était à Paris pour le film Minuit dans le jardin du bien et du mal. Et donc, mon chef, Alain Kruger, m'avait autorisé à aller le voir. Donc, j'y suis allé, évidemment, extrêmement ému, extrêmement inquiet, extrêmement fasciné, extrêmement excité. Enfin, je suis passé par tous les stades des émotions. Je voulais lui poser 150 000 questions. Lui, évidemment, parce qu'il déteste les journalistes, donc il répondait par oui ou par non, ou quasi, en tout cas en une ou deux phrases. Donc, c'était déjà... Et puis, il s'amusait un petit peu à me voir, je pense... aussi ému et aussi impressionné. Ça, il aime bien un petit peu titiller les journalistes, donc ça s'est effectivement pas très bien passé. En tout cas, il ne m'a pas dit grand-chose. Moi, il ne m'impressionnerait pas. Hein. Je le remettrai dans ses buts directs. Parce que vous êtes un guerrier, vous, Pierre. Et donc, effectivement, je lui offre mon petit livre, qui est un tout petit truc. Bon, je savais bien qu'il n'allait pas le lire, vu qu'il ne lit pas le français, mais pour le geste symbolique, je trouvais ça assez touchant. D'ailleurs, je trouve toujours. Et puis, bon, il dit merci, parce qu'il est poli. Et on fait la photo, etc. Donc là, il y a un petit remue-ménage pendant 5-10 minutes. Il s'en va, et puis en quittant la salle, la pièce avec le photographe Patrick Zwirk, eh bien, je me rends compte que mon livre, que Clint avait abandonné mon livre, ce qui ne l'intéressait pas du tout, sur un coin de la table, et ça a été un choc terrible. Alors vous dites déception, j'ai pleuré là encore, nouvelle fois, comme quoi. Alors vous dites, pour finir sur cette bio de Clint Eastwood, vous dites que son papa lui a légué plutôt le travail et l'individualisme, et que sa maman lui a légué le jazz et la sensibilité. Et vous, j'aimerais que vous nous parliez de vos parents. Vous êtes retombé sur une photo de 1971 où votre père en Bretagne faisait une fête avec des entrepreneurs bretons, et vous l'avez vu en Clint, en fait. Oui, enfin, j'ai vu effectivement la photo. J'avais 10 ans, moi je dormais, donc j'ai vu la photo beaucoup plus tard, je ne sais pas trop quand d'ailleurs, mais je me suis dit que voilà, quand je disais que rien n'est innocent, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, cette histoire-là a dû commencer inconsciemment là-dedans par mes parents qui étaient effectivement très cinéphiles, très fans de western et très fans de Clint. Du coup, ma mère était extrêmement cinéphile et comme elle avait une mémoire infaillible, elle savait tout sur tout, elle pouvait reconnaître, comme je dis, un Mexicain qui avait un sombrero sur la tête et qui dormait dans un western. Donc il y avait ce milieu, ce bain familial du cinéma, alors que j'y allais pas beaucoup au cinéma. D'ailleurs, je lisais beaucoup plus que je n'allais voir des films. J'apprenais par cœur Télé 7 jours et Les Cahiers du cinéma. Ce qui est un grand écart qui parfois est un peu compliqué, mais quand même, c'était pas mal. Et oui, cet environnement, je pense que là encore, l'environnement cinéphile, j'avais envie de travailler dans le cinéma, mais je savais pas trop quoi faire, quoi y faire, écrire, réaliser, être journaliste, voilà, bon, les choses se sont passées de telle façon que j'ai fini par être journaliste, mais sans le vouloir non plus. Mais mes parents ont été extrêmement importants, mais comme souvent les parents, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite. En tout cas, quand on est gamin, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des choses qui infusent, forcément. Et vous, Pierre ? Et justement, vous m'inviterez dans une émission, et je vous parlerai de moi. Justement, dans la partie « moi » de votre livre, vous dites à propos, on sent à demi-mot, vous dites inconsciemment, mes parents m'ont peut-être laissé trop longtemps faire pas assez de choses, en gros, c'est ça ? Vous avez eu une enfance sage, heureuse en tout cas, et est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, la phrase de Hegel, quoi, les gens heureux n'ont pas d'histoire ? Vous avez eu une enfance où vous n'aviez pas assez d'histoire ? Je n'ai pas votre culture, Pierre, je ne pensais pas à Hegel. Non, mais j'ai l'impression que j'ai eu une enfance effectivement heureuse. C'était la petite bourgeoisie de province à Brest. Tout se passait bien, il n'y avait aucun souci. J'étais plutôt un enfant aimé. Et puis voilà, je faisais, il n'y avait pas de problème de fin de mois, etc. Mais cette espèce d'aisance, si je puis dire, a fait que j'avais aucune histoire, aucun
aucun drame, mais aucun enthousiasme non plus. Tout se passait bien, quoi, mais dans une espèce de chemin tracé. Et je me rends compte que parfois, peut-être que les chemins un peu plus caillouteux fabriquent des personnes plus intéressantes. Donc je me suis dit, mais j'ai rien à raconter, quoi. C'est terrible. Et je pense que le goût que j'ai pour le cinéma, pour les histoires, pour le romanesque, pour les personnages, pour l'identification, l'empathie qu'on peut avoir à un personnage, pour être quelqu'un d'autre, ça vient de là. Moi, je me suis pris pour quelqu'un d'autre via le cinéma et via les héros, parce que justement, j'avais derrière moi une enfance sans beaucoup d'histoires. Vous dites, à l'enfance, on comprend comment fonctionne le monde, et à l'adolescence, on comprend comment on fonctionne soi-même. Oui, bah oui, c'est Hegel, ça, ou c'est... C'est Éric Libiot qui est en face de moi. Ça, c'est très empirique. On revient un petit peu à ce qu'on disait tout début. J'ai pas fait beaucoup... Enfin, j'ai fait des études, mais pas tant que ça. J'ai pas beaucoup lu. Je suis pas universitaire. Je suis pas... etc. Donc, je suis très empirique parce que j'aime bien ça. J'aime bien l'intuition. Et en relisant quand même, pour écrire le bouquin, j'avais lu Serge Danet, qui pour moi est un grand critique de cinéma, un patron des Cahiers du cinéma, de Libération, etc. Le dernier grand critique pour moi, qui avait des théories parfois que je ne comprenais pas, mais qui avait des envolées, des intuitions assez formidables sur ce que c'était le cinéma. Et il disait que le cinéma, effectivement, venait de l'enfance et que le cinéma créait un monde dans lequel on pouvait se sentir bien à l'enfance. Et j'ai l'impression, en y réfléchissant, je me disais, mais c'est vrai, quand on est gamin... Ben voilà, un gamin commence à marcher, à parler, à se rendre compte qu'il y a de l'altérité, etc. Donc découvre le monde, hein, ne serait-ce que physiquement, parce qu'il marche, parce qu'il parle, parce qu'il touche. Et que, mais ça, c'est encore une fois de l'empirisme. On ne se rend pas bien compte de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et je pense que l'adolescence, où on a les premiers émois sexuels, affectifs, où on a un métabolisme qui change, eh bien, on commence à se façonner sa propre vision du monde, la façon dont on voit les gens, la façon dont on va se comporter, etc. etc. La révolte qu'on peut avoir contre les parents. J'ai l'impression qu'on se construit soi-même à l'adolescence, que l'intimité, on a plus l'impression de connaître sa propre intimité. Et je pense que le cinéma aide à ça. Votre coffre à jouets, quand vous étiez petit, a vraiment été acheté par des gains de poker de votre papa ? Ah oui, ça c'est vraiment vrai. Mon père, mes parents étaient à Paris, et pour arrondir les fins de mois, mon père jouait au poker. À l'époque, c'était moins à la mode que ça ne l'est aujourd'hui. Puis c'était un poker comme dans les westerns, d'ailleurs, avec 5 cartes. Pas du tout le je ne sais même pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Donc le vrai poker de saloon. Et effectivement, il était plutôt bon. Il a toujours été bon en cartes et il gagnait un peu d'argent. C'était interdit, hein, il n'y avait pas le droit. Et effectivement, mon coffre jouet orange, que j'ai toujours vu dans ma chambre, a été payé par les gains du poker. Mais je crois qu'il y a là aussi, il y a prescription, je pense. Alors, au niveau âge, vous pourriez être le fils de Clint Eastwood. C'est vrai. Et vous avez découvert Clint Eastwood, comme beaucoup de gens de notre génération, rétrospectivement. Et le coup de foudre, ça a été avec ce film. Oncle Red, le docteur dit... Il a dit que tu devrais plus chanter du tout. Oui, je sais, ça fait des années qu'on me dit ça. Oui, mais ça fait peut-être des années aussi qu'ils ont raison. Tu fais pas de mots en môme. C'est un marché assez chouette. $20 par chanson. L'espace de quelques jours, on aura assez d'argent pour faire réparer la bagnole et te ramener en Californie. Tiens, j'ai apporté ça pour toi. C'est peut-être un peu froid maintenant, mais tu devrais essayer de le manger. Encore un hamburger? C'est tout ce que tu bouffes, môme, des hamburgers. Qu'est-ce qui vous a été marqué, Éric Libiot, dans ce film, Honky Tonk Man? C'est vrai que c'est le film aussi qui a rapproché, j'ai horreur de ce terme, à la critique française, notamment de Clint Eastwood. Bah, disons qu'assez bêtement, moi je suis à Paris, je viens d'arriver à Paris, et effectivement je me nourris de cinéma de façon extrêmement intense, hein. Je vois à peu près une dizaine de films par semaine, donc c'est quand même assez costaud, et je vois à peu près tout, et je lis un journal qui s'appelle Libération, qui s'appelle toujours Libération, et je suis assez régulièrement leurs avis. Et donc un jour je tombe sur l'article de Gérard Lefort sur Honky Tonk Man, et comme c'est Eastwood, j'ai vaguement en tête ce qu'était Eastwood, je me souviens un peu de mes parents, du western, tout ça, etc., etc. Donc je me dis, dans l'article, Lefort raconte Eastwood et dit, comme vous venez de le signaler, que tout d'un coup il acquiert avec ce film une espèce de dimension d'auteur qu'il n'avait pas auparavant, même si à mon avis il l'avait, mais c'était beaucoup plus, personne ne l'avait vu. Donc je suis allé voir Honky Tonk Man, qui est le grand film fordien. C'est un peu un cliché maintenant de dire que Eastwood s'est révélé auteur avec ce film,
À mon avis, il s'était déjà révélé avec José Welles sur La Loi, le western qu'il avait tourné quelques années auparavant. Mais en quittant Kman, c'est l'histoire de l'Amérique, c'est l'histoire de son père, c'est effectivement un film fortien, c'est à la fois le romanesque, l'intime, la famille, le héros, puisqu'il joue un chanteur de country, donc c'est aussi un hommage à sa mère. Donc tout se mêle dans ce film, et c'est extrêmement touchant. En plus, alors c'est moi qui vais spoiler, à la fin il meurt. Là, il y a prescription aussi. Donc, il détruit un peu, il griffe un peu son image de héros invincible, puisqu'il joue un type alcoolique, tuberculeux, et pour qui le rêve américain n'est finalement qu'une illusion. Et donc, ce film m'a excessivement touché, parce que c'est un grand perdant magnifique, mais les grands perdants magnifiques sont souvent les grands héros de Eastwood. Et il y a cette notion de l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de films que l'on croit de Eastwood dans lesquels la transmission, le leg est important. Et pas un leg à la con, comme dans Léon, de Luc Besson. C'est pas gentil pour Luc. Mais là, dans On quitte Hankman, voilà, il prend son petit-fils avec lui. Il l'emmène même dans des endroits un peu interlopes. Mais c'est une sorte de découverte de la vie, comme dans Un monde parfait. Est-ce que ça peut des thèmes qui vous touchent? Oui, bah, bien sûr, mais pas forcément comme moi. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de son père qu'il avait, et sa mère pour la musique, son père pour le côté très artisan, il faut travailler, et seul le travail compte. On peut prendre cette morale, mais une autre, mais Eastwood se rend bien compte que de l'importance de la transmission, et dans tous ses films, il y a effectivement ça, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de personnages qui n'ont plus leurs parents ou qui leur manquent, que ce soit Million Dollar Baby par exemple, ou Clint Eastwood joue une espèce de père putatif pour l'héroïne, la jeune boxeuse. Donc il y a effectivement plein de films où la transmission, l'héritage, mais ça c'est très américain aussi, cet héritage-là, me semble-t-il, c'est beaucoup dans la culture américaine. Les États-Unis, c'est un pays qui a une histoire très courte par rapport à la France, par exemple. Donc cette notion d'histoire, cette historicité, cet héritage est quelque chose qu'ils cultivent parce qu'ils en ont besoin pour se forger une espèce de... On parle du roman français, mais le roman américain existe aussi. Donc moi, ça me touche parce que j'ai l'impression, quand on a des enfants, bien, qu'on transmet quelque chose, qu'on le veuille ou non, de toute manière, que ce soit bien ou mal. Après, chacun jugera de ses propres actes. Mais consciemment, là, pour le coup, l'héritage que l'on laisse, qu'on laisse à ses enfants, puis même aux amis, aux gens qui sont autour de nous, est excessivement important. De toute manière, on laisse toujours une trace, quoi qu'on fasse. Dans votre livre, Clint et moi, vous racontez ce moment où il vous emmène dans une salle de montage à Hollywood, d'un film sur lequel il travaille. Et là, vous voyez son fils, Kyle. Je me la pète un peu quand je raconte ce genre d'anecdote. Qu'effectivement, j'avais interviewé Eastwood, Clint, enfin, je vais l'appeler Clint. Et puis à un moment donné, à la fin de l'interview, il me dit, viens, venez Eric, parce qu'il m'appelle Eric. Enfin, il vous aura appelé Pierre, hein, je vous rassure tout de suite. Et il me dit, venez Eric, il y a peut-être quelque chose qui va vous intéresser. Et là, il m'emmène effectivement dans une petite pièce où Kyle Eastwood, son fils qui jouait donc dans Kit Hankman et qui est devenu musicien depuis, parce qu'on sait que la musique est quelque chose d'important chez Eastwood. Il était avec Joel Cox, qui est le grand monteur mythique de Eastwood, et c'était un extrait de Gran Torino. Alors, je ne savais pas effectivement ce que c'était Gran Torino à l'époque, qui est devenu un de ses plus grands succès, en tout cas même son plus grand succès en France, si je ne m'abuse. Voilà, et moi, à chaque fois que je passe un peu de l'autre côté du miroir, ça me fascine de toute manière. J'interviewe une grande star qui est extrêmement sympathique avec moi, enfin, qui l'est devenu en tout cas, sympathique avec moi, et puis... Il a la gentillesse de me montrer un extrait d'un film qui, enfin, le revers de la médaille, si je puis dire, ou derrière le rideau. Et même après avoir interviewé 150 000 comédiens, fait des reportages sur les tournages, etc., ça me fascine toujours, quoi. Ça me touche, ça m'émeut toujours. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, même d'être à la radio, ça m'émeut toujours autant. Merci Eric. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette tempête de sable au début de On quitte Hankman et son arrivée, cette tempête de sable, elle est peut-être plus symbolique qu'on le pense. C'est-à-dire, c'est une tempête qui doit effacer les films précédents. Qui avait aussi beaucoup de qualités, mais on sent qu'avec On quitte Hankman, d'abord, c'est un personnage presque de loser hein, dans On quitte Hankman. Il n'arrive pas à monter à cheval. Dans Impitoyable aussi, il se prend plein. En fait, ce qui est frappant en revoyant les films d'Eastwood, c'est le nombre de galères qu'il se prend avec les femmes. Avec les animaux, etc. Mais dans Kit Hankman, je me suis souvent demandé à quoi correspondait vraiment cette tempête de sable. Comme un phénomène météorologique, peut-être, non? Ou un reset. Non, vous non, savez, le mot à la mode, c'est reset. J'ai pas du tout pensé. J'irais peut-être pas jusque-là.
Parce que peut-être que, mais non, j'aime bien ces espèces d'analyses rétrospectivement, on peut se, ou a posteriori, on peut se dire que ça voulait dire ça et que c'était peut-être l'inconscient de Eastwood qui racontait ça. Mais quand on lui demande un peu les films qu'il a aimé de lui, même s'il dit tous comme tous les artistes, mais je sais que George Wells qu'il a tourné avant, par exemple, est un film excessivement important, donc je suis pas sûr qu'il reniait les films qu'il avait fait avant. C'est pas forcément un reniement, mais un renouveau, peut-être. Ouais, moi j'aurais dit non, je suis pas sûr. Pour moi, c'est une continuité. C'est peut-être que il a, comme je vous disais au tout début, c'est-à-dire qu'il est tombé sur, parce qu'il écrit jamais ses scénarios, Eastwood. Il est aussi sur le hasard des rencontres, des scénaristes, des scénarios qu'on lui propose à tel moment de sa vie. Donc le scénario d'Anki Tokman, il est arrivé au moment où il a dû arriver. Quoi, il n'avait pas ça dans un fond de tiroir, Eastwood, puisqu'il fonctionne pas du tout comme ça. Bon, écoutez, donc après, dans la logique, on est dans le postériorisme, mais dans la logique de sa carrière, oui, on peut le voir comme ça, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'indicible qui se passe comme ça dans l'art, qui fait que on tourne les films au moment où il faut les tourner. Vous êtes dans l'émission de cinéma Oblique sur Fréquence Protestante 100.7 en compagnie d'Éric Libio. C'est cloche. Ce n'est pas pour parler religion, Éric Libio. Ce sont les premiers sons qu'on entend de l'inspecteur Harry. Le premier épisode de l'inspecteur Harry commence par des cloches où on rend hommage à des policiers de San Francisco morts dans l'exercice de leurs fonctions. Quels sont les plus grosses erreurs qu'on peut commettre, selon vous, sur le personnage de Dirty Harry, l'inspecteur Harry. De dire que c'est un fasciste, enfin que Clint Eastwood est un fasciste, que Dirty Harry, que Harry Callahan l'est aussi, on l'a dit beaucoup, maintenant on y revient un petit peu quand même. C'est effectivement, enfin c'est évidemment pas un fasciste, c'est une mauvaise conscience. On est dans un cinéma américain dans les années 70 où le politique a pris énormément d'importance. C'est la guerre du Vietnam, c'est une nouvelle génération de cinéastes, c'est une nouvelle génération d'acteurs. Et tout d'un coup, le cinéma classique hollywoodien, le cinéma de studio, c'est terminé depuis une dizaine d'années. Depuis 1959, on dit que le dernier grand film de studio, c'est Rio Bravo en 59 de War Hawks. Et qu'après, il y a eu une politisation du cinéma, mais qui est arrivée avec la politisation mondiale, mai 68, toutes les révolutions qui ont eu lieu dans les années 60, et puis le cinéma des années 70, très politique. Donc il y a eu énormément de cinéastes, que ce soit Sidney Pollack, que ce soit Sidney Lumet, enfin tous ces grands cinéastes ont commencé à faire de... Et puis, souvent très démocrate quand même, plutôt à gauche, enfin dans ce qu'on peut imaginer la gauche aux États-Unis, et Eastwood qui n'est pas du tout à gauche, qui n'est pas à l'extrême droite, mais qui n'est pas du tout à gauche, il est ce qu'on appelle libertarien. C'est un mouvement politique, pardon cette parenthèse, c'est un mouvement politique qui existe assez peu en France. On pourrait l'assimiler à une espèce d'anarch de droite, et encore, mais c'est vraiment un mouvement américain où c'est l'individu qui prime sur tout. C'est pour ça que Eastwood, pour résumer un peu brutalement, est à la fois pour le port d'armes et pour le mariage homosexuel. C'est quelqu'un qui dit, mais chacun fait ce qu'il veut. L'État n'a pas le droit, ne doit pas influencer les comportements humains. L'État n'existe pas. Moins il y a d'État, mieux c'est. Et c'est se dire, à partir du moment où tout le monde fera ce qu'il voudra, le monde ira mieux. Alors, ce qui peut être un peu critiquable, mais c'est paradoxalement avoir foi en l'être humain de se dire que si tout le monde fait ce qu'il veut, on avancera dans le bon chemin. Bon, ça peut se discuter, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais en tout cas c'est ce qu'il met en avant. Et donc dans sa façon de faire, quand Dirty Harry, c'est une mauvaise conscience, parce que c'est un flic qui pointe les dérives de la justice, de la police, et c'est... Oui, c'est un individu, au sens premier du terme, qui gratte un peu le vernis américain. Le premier mot prononcé dans le premier volet de l'inspecteur Harry... Vous êtes très premier, vous, c'est ça, en fait. C'est votre truc, ça. C'est Jesus. Il dit Jesus quand il voit une scène de... En fait, ce qui est arrivé avec Clint Eastwood dans Dirty Harry, c'est ce qui est arrivé
4 ans plus tard avec Bruce Springsteen dans Born in the USA, c'est-à-dire bien un sûr, message exactement. Compris à l'envers. Tout à fait, d'accord. Et les deux d'ailleurs, la fameuse phrase « Make my day » de Harry et le Born in the USA ont été récupérés par Ronald Reagan. Oui. Et les deux, je pense, n'étaient pas forcément d'accord avec cette récupération au premier degré. Non, bien sûr. Alors, Ronald Reagan était plutôt pote avec Eastwood, alors que Springsteen, je ne pense pas. Disons que oui, Eastwood a plus de liens avec Reagan que Springsteen, mais c'est vrai qu'il y a, une incompréhension qui a aussi été portée par Pauline Kael, qui était une grande critique du New Yorker, une grande critique américaine, une femme qui détestait... qui était très de gauche et qui détestait Clint Eastwood, à mon avis, qui le détestait tellement qu'elle en perdait un peu de son jugement et de son objectivité. Mais c'est vrai qu'Eastwood, et puis je pense que dans ces années-là, on avait besoin d'une espèce de personnages sur lesquels on pouvait taper, sur lesquels la gauche américaine, qui était majoritaire à l'époque, pouvait taper, et c'était sur Eastwood, qui n'en avait rien à faire, je vous rassure tout de suite. Martin. En plus, le film a... Pardon, la série des Dirty Harry, il y a 5 films, il y en a 2 de bien, 3 de pas terribles, ça a été un gros succès, il en a tourné un, Eastwood, c'est de l'impact, qui est sans doute le meilleur, mais là, pour le coup, le public l'a largement suivi. Martin, il faut pas croire, pardon Pierre, excusez-moi, faut pas croire que tout ce qu'on voit au cinéma est vrai, surtout. C'est du cinéma, pardon de dire, ce truisme, de cette lapalissade, mais à un moment donné, ils font pas du documentaire. Bien quoi, ils font pas du documentaire, ils soutiennent pas les frères Dardenne, bien que les frères Dardenne non plus ne font pas du documentaire, mais disons qu'ils sont un peu plus dans le naturalisme. Eastwood n'est jamais dans le naturalisme, donc faut pas croire tout ce qu'on voit. Quand Scorsese fait Taxi Driver et Travis Bickle, il prend pas Fête et Gosse pour le tueur de joué par De Niro. Et puis vous savez, Eric, parfois une tempête de sable n'est qu'une tempête de sable. Voilà, exactement. Alors justement, Martin Scorsese a dit à propos de l'inspecteur Harry quelque chose que je trouve très fort, j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Il a dit que contrairement à James Stewart, à Cary Grant, etc., Clint Eastwood est un acteur et ses personnages de après la bombe atomique. C'est-à-dire ? Selon Scorsese, il y a un avant et un après la bombe atomique. Il y a une innocence perdue à jamais et qui se retrouve forcément dans les figures tutélaires d'un certain cinéma. Oui, la perte de l'innocence de l'Amérique, ça c'est absolument certain. Beaucoup la voient plus à l'assassinat de Kennedy en 63 qu'à la bombe atomique, mais qui avait lieu donc 20 ans plus tôt, quasiment. Mais en tout cas, qu'il y a une perte de l'innocence, même si on peut la situer selon les cas là ou là, ça c'est absolument certain. Et qui est un des grands événements américains. L'Amérique a été, c'est toujours, enfin on le voit aujourd'hui d'ailleurs, c'est le grand pays, le grand gendarme du monde, c'est le grand pays de la démocratie, c'est les pères fondateurs, c'est la ruée vers l'or, c'est etc. etc. Mais c'est aussi le génocide des Indiens. C'est un pays qui s'est construit sur une médaille et son revers. Mais disons que la perte de l'innocence était effectivement un des grands thèmes. James Ellroy, je ne sais pas pourquoi je parle de lui, mais j'y pense tout d'un coup, parce que je pense qu'il a aussi été pris pour un fasciste alors qu'il ne l'est pas du tout. James Ellroy, c'est son grand thème, et je pense que c'est un des grands thèmes des écrivains et des artistes américains, la perte de l'innocence. Donc effectivement, elle peut avoir lieu pendant la bombe atomique en 1944-1945, mais aussi en 1963, et qu'effectivement, ce cinéma-là, des années 70, c'est une génération qui est née entre 40 et 50, et effectivement, ont vécu, ou en tout cas, leurs parents ont pu leur raconter ce que pouvaient être les États-Unis avant et ce qu'ils sont devenus, et que c'est un thème qui laboure beaucoup l'art américain de ces années-là. Vous avez participé à l'écriture de certaines fiches cinéma pour le magazine Première, donc vous n'aurez aucun échappatoire à la question qui va suivre. Est-ce qu'on a déjà vu à l'écran un personnage incarné par Clint Eastwood marié ? Lui-même. Écoutez, il a été veuf dans La Corde Raide. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr... Il a des rapports avec les femmes parfois un peu étranges, mais c'est vrai que marié, tiens, c'est une bonne question. Je me la suis jamais posée. Il faudrait que je reprenne sa filmographie de A à Z, mais en tout cas, c'est très rare, oui. Nous avons un ami commun qui est attaché de presse et qui nous disait que la difficulté pour les gens qui sont fans de cinéma ou qui travaillent tout simplement dans le cinéma, c'est d'avoir des vies de famille équilibrées. Est-ce que parfois,
Est-ce que parfois le cinéma a pu vous déséquilibrer? Est-ce que vous avez eu votre moment dans votre vie personnelle sur la route de Madison? Vous me demandez des trucs. Je pense que le cinéma est aussi là pour remplir des cases ou des désirs inavoués qu'on voudrait vivre. Hein. Sincèrement, je pense vraiment à ça. Qu'à un moment donné, on peut être comblé par des histoires que l'on nous raconte, que ce soit au cinéma ou en bouquin ou en roman. Ça peut suffire ou parfois non. Où est-ce qu'on va ? On va faire la quête d'Halloween. Qu'est-ce qui se passe encore ? On n'a pas le droit de faire la quête d'Halloween. Hein ? Ma maman nous l'a interdit. C'est comme un jeu, pourquoi ? C'est contre notre religion. C'est contre... Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Les témoins de Jéhovah. Bon, Philippe, c'est à toi que je demande. Je ne demande pas à ta mère, je ne demande pas à Jéhovah. Tu viens faire la quête, oui ou non ? Un extrait d'un un monde parfait avec Kevin Costner et un petit garçon dont malheureusement j'ai oublié le nom. Il voulait parler de l'absentéisme parental, notamment, dans ce film, Clint Eastwood, notamment. Oui, alors qu'il a eu une enfance relativement stable, même s'il a été à un moment donné élevé par sa grand-mère, ses parents aussi, parce qu'il a traversé, enfin en tout cas son père... Ses parents, la crise de 29, qui était compliquée, son père a énormément déménagé pour trouver du travail, etc. Donc il y a eu une espèce de, j'imagine, d'instabilité pour le coup de Eastwood. Mais je suis pas sûr que ce soit uniquement la perte de l'enfant, ou je sais pas, quelle est l'expression que vous avez utilisée ? L'absentéisme parental. C'est-à-dire que le personnage de Costner, qui est un brigand, malgré tout, joue le rôle d'un père un de substitut. Un brigand, j'aime bien, c'est un joli mot pour... un délinquant, il sort de prison. Un brigand, vous êtes gentil. Il joue le rôle d'un père de substitution à son corps défendant, comme dans Quitonkman. Mais dans énormément de films, il y a des pères de substitution, effectivement. Après, c'est peut-être plus aussi l'histoire de Eastwood lui-même, c'est-à-dire qu'il a énormément d'enfants, qu'il a lui-même pas été un père comme il aurait dû l'être, ça il l'a dit finalement. Donc il fait plus référence à lui qu'à ses propres parents. Et dans énormément de films, il a des difficultés. Dans La Mule, par exemple, un de ses derniers films, il essaye de retisser des liens avec sa famille. Dans Grand Torino, il supporte plus ses deux fils, alors qu'il s'attache à son voisin, qui est un Jean de Mong. Donc effectivement, c'est comme si au cinéma, il essayait de traiter de sa propre culpabilité d'un père absent, mais ça c'est sûr. Il a eu, je crois qu'il a 6 ou 7 enfants. Vous parliez de Kyle tout à l'heure, qui est son fils aîné, et puis d'autres enfants qu'il a plus ou moins vus, parce qu'il a eu quand même pas mal de femmes. Donc je pense que cette espèce d'instabilité familiale, sa propre instabilité familiale, elle se retrouve dans le cinéma, mais c'est pas étonnant. Le cinéma, encore une fois, pour le spectateur et aussi pour l'artiste, c'est le terrain de l'intime. Parlez-nous de sa démarche, mais je parle de sa démarche littéralement. Il y a de très jolies lignes dans votre livre où vous parlez de la manière dont il se meut dans l'espace. J'ai toujours eu l'impression qu'il était sur coussin d'air, c'est-à-dire un peu comme Henri Fonda. Vous verrez, c'est des gens qui sont grands, qui sont très droits. Le mouvement chez un acteur, c'est excessivement important. On dit toujours qu'un acteur, on remarque quand il parle, c'est là où il est juste ou il n'est pas juste, alors que moi je pense que le physique d'un acteur, la façon dont un acteur joue quand il ne parle pas est encore plus importante. En tout cas, c'est là où on voit le véritable charisme d'un comédien. Et Eastwood, dans la vraie vie, j'allais dire, ou dans le cinéma, c'est quelqu'un qui marche sans bouger, qui a une espèce de stature, au sens premier du terme, une stature de héros et une stature d'être humain. Et il est sur coussin d'air, il a la tête plantée dans les étoiles et il avance sans bouger. C'est assez fascinant de l'observer comme ça, avancer. Du coup, j'ai toujours l'impression qu'il est un peu en dehors du monde, mais c'est peut-être ma propre subjectivité ou ma propre passion qui me fait voir Eastwood comme un non-être humain. En tout cas, entre le star et l'être humain, quelqu'un qui est un peu ailleurs. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites qu'un héros, c'est un ailleurs.
Oui, je pense que ce sont des personnages qui sont créés de toutes pièces par quelqu'un d'autre, auxquels on s'identifie, auxquels on aimerait ressembler, qu'on déteste, qu'on adore, qui nous repoussent, qui nous attirent. Et ils habitent un pays de l'imaginaire qui est un petit peu ailleurs, quoi, que chacun se crée, parce que je pense que chacun se crée à son propre imaginaire, qui est nourri par le cinéma, par les arts, par moi, je pense... beaucoup plus par les arts que par autre chose. Donc ça peut être le cinéma, la littérature, la peinture, la musique, ce qu'on veut. Mais cette espèce de paysage, ce pays de l'imaginaire, ben c'est là où habitent les héros. Ils sont un petit peu ailleurs. Oui, ils sont en chacun de nous, mais ils sont un petit peu ailleurs. Quand Eastwood a fait « Mémoire de nos pères et lettres d'Iwo Jima » sur le conflit américano-japonais, est-ce qu'il ne fait pas un peu le... Vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais est-ce qu'il ne fait pas aussi le même métier que vous, c'est-à-dire journaliste, c'est-à-dire à travers du spectacle, quand même montrer que la vérité n'est pas univoque ? Oui, je pense que c'est aussi un de ses grands thèmes. Son grand thème, c'est qu'est-ce qu'on fait des héros américains ? Alors, c'est effectivement un des thèmes de Mémoire de nos pères, de Lettres d'Iwo Jima, mais à l'intérieur de ce grand thème, parce qu'il est un thème... américain, parce que le héros, c'est quand même une grande figure américaine. C'est donc comment est-ce qu'on vit quand on est un héros ? Quelles sont les vérités ? Quels sont les secrets, les mensonges ? Comment est-ce que l'environnement, la société redessine une personnalité ? Et comment est-ce qu'on peut s'affranchir justement de cette espèce de poids social ou politique ? C'est un des grands thèmes de Eastwood. Et dans Mémoire de nos pères, c'est exactement ça, puisqu'il tient compte d'une célèbre photo qui a sans doute été arrangé ou en tout cas dans le symbole, la métaphore de cette photo a sans doute été réécrite par les politiques de l'époque en 40 et quelques après Iwo Jima. Et lui, ce qui s'intéresse, c'est la photo, c'est la médaille, et Eastwood, c'est le revers de la médaille auquel il s'intéresse de toute manière, toujours, toujours, depuis toujours. Qu'est-ce que tu as ? Rien. Pourquoi ? Oh, allons donc, tu n'as pas écouté un mot de ce que je t'ai dit. Si, j'ai écouté tout ce que tu as dit. Ah, vraiment ? Alors, rappelle. Tu me crois pas, hein? Vas-y. Entendu, je vais tout te répéter. Tu as dit que tu allais à une réception demain soir à Bixer et que tu me demandais de te retrouver à 9h à l'adresse... Je t'ai pas dit ça du tout. Bon, tu vois comme tu es. Je sais pas encore ce que je ferai. Je t'appellerai demain pour te le dire. D'accord. Un extrait du premier film comme réalisateur de Clint Eastwood, Un frisson dans la nuit, où il joue un animateur de radio à Carmel, la ville dont il a été le maire. Alors là, j'ai choisi le maire M.A.R.E. J'ai choisi cet extrait de malentendu entre un homme et son ex-femme pour justement aussi balayer, que vous nous aidiez, Eric Libio, à balayer tous les malentendus sur la place de la femme dans le cinéma d'Eastwood. Parce qu'en fait, ne serait-ce que le personnage de Laura Dern dans Un monde parfait, ou même dans Créance de sang, les femmes sont omniprésentes dans son cinéma et il les a souvent imposées, ces rôles. Oui, alors c'est pas ça, j'ai l'impression de balayer tous les clichés en disant que c'est un homme absolument sublime et formidable, ce qu'il n'est pas, mais c'est vrai que son cinéma a provoqué certains clichés, dont celui d'un Eastwood misogyne, alors que je pense que c'est parmi tous les cinéastes américains, il fait partie des quelques grands cinéastes américains qui ont été les plus féministes, en tout cas qui ont accordé aux femmes les plus grands rôles. On reproche jamais à Coppola, à Spielberg, à Lucas ou à d'autres, à David Fincher aujourd'hui ou à Tarantino, le manque de grands rôles féminins. Aujourd'hui, parmi les cinéastes vivants, celui qui a écrit ou pas écrit, mais disons mis en scène les grands rôles de femmes, c'est Eastwood, c'est Million Dollar Baby, c'est L'Échange, c'est effectivement Un frisson dans la nuit, c'est Breezy, son deuxième film qu'on connaît très très peu, c'est The Nun Pact avec Sandra Locke, énormément de films. Alors, c'est pas un grand féministe au sens où on peut l'entendre aujourd'hui, mais c'est un artiste pour qui la femme est importante, enfin, et que l'échange ne peut se faire qu'entre les femmes et les hommes. Voilà, alors des fois ce sont des femmes méchantes, des fois ce sont des hommes méchants, des fois gentils et gentilles. Il n'y a pas de politiquement correct en disant toutes les femmes sont formidables et les mecs c'est des salauds. Il y a ça et le contraire aussi. Comparaison n'est pas raison, mais je ne crois pas que Martin Scorsese aurait pu réaliser L'Échange.
Non, mais vous avez raison. C'est sans doute, avec Million Dollar Baby, c'est son film le plus féminin. Et cette histoire de femme, même si il m'avait dit qu'elle faisait aussi référence un peu à sa mère, puisque c'était à l'époque de sa mère. Il y a des robes communes, hein, c'est ça. C'était à l'époque, c'est un fait divers, hein, c'est une histoire vraie. Et c'est l'histoire d'une femme dont l'enfant a été enlevé, la police, pour se faire mousser, lui a donné un autre enfant dans les bras en disant, mais non, c'est le vôtre, il a changé, etc. Elle a jamais voulu le croire, elle s'est battue. Et elle a été enfermée en HP et elle a provoqué des grands débats sociaux et politiques. Mais c'est vrai que c'est une figure féminine absolument très importante aux États-Unis, parce qu'elle a provoqué des changements de loi et une façon d'appréhender l'hôpital psychiatrique. Elle a énormément changé de choses. Donc c'est effectivement un grand film féministe, là, pour le coup. À l'heure de MeToo, de Balance ton porc, de l'inceste, etc., je crois qu'il faut aussi citer ce film extraordinaire qu'est Breezy. Dans Breezy, on voit quand même une jeune femme de 22 ans qui tombe amoureuse d'un quinquagénaire qui n'a rien demandé et qui fait tout au contraire pour la dissuader de tomber amoureuse de lui. Je ne dis pas la fin, mais c'est un film d'une délicatesse incroyable. Oui, c'est vrai que il a tourné à peu près tous les genres, Eastwood, hein, peut-être pas la science-fiction, les films d'horreur, mais absolument tous, les westerns, les polars, les histoires d'amour et les mélodrames. Et dans les mélodrames, on cite bien évidemment Sous la route de Madison, qui est un de ses plus grands films, et Breezy, qui bizarrement est à mon avis le film le plus méconnu de lui, celui qui passe assez peu à la télé. Et comme vous le notez justement, c'est une magnifique histoire d'amour entre un homme âgé et une jeune femme. Et là encore, c'est une des façons de Eastwood, ce qui l'intéresse, il y a plein de thèmes, hein, mais notamment ce qui l'intéresse, et on le voit dans ce film-là, et aussi dans Madison d'ailleurs, c'est de raconter les détails du quotidien, les détails de l'instant présent, les choses qui s'enfuient, les moments romantiques, intenses, parce que ces moments-là, on les vit, il faut les vivre intensément parce qu'ils nous échappent très très vite. Et donc dans cette histoire-là, qui se termine pas forcément mal d'ailleurs, non, mais enfin, voilà, c'est une fin ouverte, mais on sait très bien qu'ils ne vont pas vivre 40 ans ensemble, ne serait-ce que parce que le héros en a 60, donc ça va être compliqué. Mais ce qu'il dit, c'est les moments de joie qu'on peut avoir, les moments que l'on ressent très profondément, il faut les vivre d'une façon très intense parce qu'ils vont disparaître. Et quand je disais tout à l'heure qu'un des grands thèmes de Eastwood, c'était aussi ce qu'on laisse comme trace, et bien cette trace-là se retrouve aussi dans ces moments de bonheur qu'on peut vivre, mais qui sont déjà derrière nous, à peine les avons-nous vécus. Et dans tous ces films, la plupart de ces films, et notamment dans Breezy, il y a un petit côté direct, spartiate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... j'ai retrouvé cette phrase de Donald Sutherland, acteur, qui m'a beaucoup surpris. Il dit Clint Eastwood, il est comme le peintre Giacometti. Il essaie de réduire son travail sans arrêt pour atteindre à l'énergie originelle. Oui, c'est une belle phrase de Sutherland, qui a tourné avec lui dans Space Cowboy, qui est une des rares incursions d'Eastwood dans la comédie, où d'ailleurs Donald Sutherland est extrêmement drôle. Non, mais il a tout à fait raison. C'est un cinéaste qui va, ça rejoint ce que vous disiez au tout début, qui va à l'os, à l'essentiel, à l'instant présent, au temps qui s'en vont, qui s'enfuit, à la fugacité des choses. Et en ce sens, là encore, c'est pas le cinéaste bourrin qui sort son Colt et qui désigne.